Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Abras TV. À la une de l'actualité ce soir, dans la commune d'Adjamé, le premier ministre Patrick Hachi s'est rendu au groupe scolaire Jean de la Fosse pour offrir un don en kit scolaire. Éducation nationale, les frais d'examen seront désormais payés sur le serveur de la Banque du Trésor public. Et puis sport, compétition CAF, le Burkina Faso délocalise ses matchs à Abidjan. Soyez la bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, dans la commune d'Adjamé, ce mardi 19 octobre 2021, le Premier ministre Patrick Hachi était dans les locaux du groupe scolaire Jean de la Fosse pour offrir des kits scolaires et des tables bancs aux élèves. Nos reporters étaient sur les lieux. Un reportage signé Georges Niaoré et Bouba Sek. Le premier ministre Patrick Hachi, qui lui-même fut élève dans cette école dans les années 1960, s'est rendu hier mardi 19 octobre dans son école d'enfance, le groupe scolaire 220 logements Jean de la Fosse, où il a procédé à la remise des kits scolaires et de nouveaux tables bancs afin d'améliorer les conditions de travail des élèves de la dite école. Et c'était en présence des enseignants, de plusieurs autorités, notamment la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, Marie Toukoné, qui n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers le Premier ministre pour son action salutaire. Je voudrais remercier M. le Premier ministre pour cette visite ici, qui nous compte de voix. M. le Premier ministre, vous êtes un homme de terrain et cette visite vous permet d'être en contact direct avec les réalités du terrain. Mesdames et messieurs, en ce lieu, il y a exactement 60 ans, M. le Premier ministre entamait son initiation au savoir avec son inscription en classe de CP1 qui a résidé tout à l'heure. Sous le matricule 429, changement d'établissement 7, mais c'était le signe d'un changement probable de voie et de perspective du destin. Éducation nationale, les frais d'examen seront désormais payés en ligne sur le serveur de la Banque du Trésor public. Le Trésor public, au regard de ses atouts en matière de digitalisation de ses services, est prêt avec sa plateforme digitalisée et sécurisée dénommée Trésor Pay et sa monnaie électronique dénommée Trésor Monnaie. Il s'agirait également pour le Trésor public, principal caissier de l'État, d'améliorer le niveau d'encaissement des recettes de l'État, assurer la traçabilité des opérations et la disponibilité instantanée des fonds publics pour faire face à l'amenuisement des appuis extérieurs. Le président ivoirien Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce lundi 18 octobre 2021 après un séjour en France au cours duquel il a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Selon un communiqué publié par la présidence de la République, les deux chefs d'État avaient abordé lors de ce dîner de travail mardi 12 octobre 2021 les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Après la création de son parti qui s'est tenu les 16 et 17 octobre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, l'ex-président Laurent Gbagbo a appris avec beaucoup de tristesse qu'un convoi de congressistes ayant participé activement aux travaux du dit congrès et repartant pour Ouagadougou a été impliqué dans un accident de la circulation. Cet accident a provoqué malheureusement 3 morts, des blessés et des dégâts matériels importants au bilan du 18 octobre. Le bureau du Congrès, au nom du président Laurent Gbagbo et du PPACI, présente ses sincères condoléances et son soutien aux familles des disparus. Il exprime sa profonde compassion et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le village de l'innovation technologique VITIP va dévoiler sa nouvelle identité et les opportunités ce jeudi 21 octobre 2021 au cours d'une manifestation. Pendant 2 jours, le VITIP offrira des conditions financières particulièrement intéressantes en deçà des conditions tarifaires habituelles. Parcelles réservées pour 6 mois, pas de loyer de la terre durant la première année, pas de caution collectée
à la signature. Ces journées portes ouvertes seront présidées par le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom. Et la dernière information pour terminer ce journal dans l'actualité sportive, dans le cadre des éliminatoires de la CAN au Maroc 2022 et la Coupe de la Confédération 2021-2022, la Fédération Burkinabé de football a délocalisé deux de ses matchs en Côte d'Ivoire. Il s'agit du match Burkina Faso-Bénin, comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN féminine et de l'opposition Afsa-Yenenga contre le Binga du Mali. Ces matchs auront lieu respectivement les 20 et 23 octobre 2021 au stade Robert Champroux de Macorie. Voilà qui met un terme à ce journal réalisé par tout ensemble de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée.